C'est pas la même heure. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker HD, épisode 33 je crois. Donc c'est parti. La dernière fois nous avons fait de l'annexe, aujourd'hui on refait encore de l'annexe pour ne pas changer. Et donc là j'ai vu qu'il y a un carré sombre que j'ai pas vu, donc on va voir tout de suite cette île. Ah bah je sais ce que c'est, enfin je crois savoir ce que c'est. Ouais, c'est mon île, super, c'est ma villa. Ouais, ça doit être ça. Si c'est ça, je nourris direct le poisson. Pas embêté que ça. Ouais, c'est ça, impeccable. On va pouvoir rentrer, les amis. Rappelez-vous, la dernière fois, eh ben, j'ai récupéré un morceau de Triforce, enfin. C'est le premier que j'ai récupéré. Pas une carte, mais un morceau, un bout. Et je suis allé voir la professeure, et elle m'a donné un papier pour aller à la villa. Un titre de propriété, quoi. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire ? Île de Kissa, et ben c'est la mienne. C'est mon île. Bienvenue. Petit gars, tu as déjà entendu parler? Quoi? Il y en a un là? Elle est là, dans cette maison là-bas. Je te jure, c'est la vraie et tout. Et si tu la veux, je te conseille d'aller inspecter cette maison au sol, du sol au plafond. Ah bah merci. Ça, je savais pas qu'il y en avait une. Bon bah du coup, on va récupérer un morceau. Hein. C'est parti. Genre, la prof, elle gardait un morceau de Triforce ici. Il y a un morceau de Triforce planqué ici, t'imagines? C'est comme si en fait dans ma maison, sur mon terrain ou dans ma maison, il y a un morceau de Triforce, quoi, énorme. Il y a un truc inestimable, quoi. Génial. Et je l'ai jamais vu de ma vie. Super. Bien, alors. D'abord, ça m'étonnerait que la Triforce serait là. Moi, pour moi, elle devrait être là-bas. Je crois qu'il y avait un. Ouais, voilà, c'est pour atteindre ça. Il y avait un trou ici. Alors, soit. Voilà. On va utiliser la méthode du grappin. Hein. Si vous le voulez bien. Ah, bah, il y a un coffre. Bon, bah, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que le suspense est fini. Je pense que. Elle est là, la Triforce. Enfin, le morceau. Le morceau ou la carte? J'irai le morceau. Ah, merde. Ah, c'est une carte au trésor, mais c'est même pas ça. Ah, d'accord. C'est même pas ça. Ah, ok. Bon, bah, du coup, ça va être carrément plus marrant. Alors. Du coup, on va fouiller la baraque. C'est cool, ça. C'est encore mieux. Ah, peut-être en bas de la maison. Ok, bon bah je vais suivre l'avis du poisson. En gros, fouiller la maison du sol au plafond. Visiblement. Là, je vois plein de rubis. Ce serait sympa de les choper. Mais avant... salut. Ôtez aux sales pattes de l'homme à l'élever. La propriétaire de cette île possède la jouissance exclusive de la villa. Alors, filez d'ici, horrible individu. Ah, sympa, mais quand je vais te dire que c'est moi, je pense que tu vas arrêter de me traiter comme ça. Regarde, observe. Apprends. Merde. Regarde, observe. Hé, mal élevé, ôtez aux sales pattes. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes donc le nouveau propriétaire de l'île? Et vous vous appelez Link? Ah bon? Joli prénom. Veuillez refermer la porte délicatement, Link. Cœur. Voilà, il est direct plus aimable, hein. Lolé, lolé, lol. Ah, voilà. Regardez, moi ça me fait peur. Sérieusement, moi je comprends pas pourquoi elle a dessiné un majordome comme ça, mais bon. C'est un choix. Surtout ça fait flipper. Ce carton. Salut. Tu parles? bref, il est chelou, mais bon. Voilà. Ah ouais, alors ça les amis, ça c'est pour des rubis, je vous rassure, c'est pas pour un. C'est pas pour autre chose, c'est un rubis. Donc ça va. Nous ce qui nous intéresse c'est ce feu de cheminée. Alors on va voir. Il me faut de l'eau. Mais je peux pas utiliser mes flèches ici. Ah bah non, encore mieux. On va utiliser ça. Je crois que ça marche. Ah non, j'ai pas le droit. Du coup c'est que sur la pièce. Vous avez vu comment il s'est calmé quand je lui ai dit que c'était moi le propriétaire? Il a eu peur là, ça se voit. Voyons voir. Comment je pourrais faire si je fais ça? Ah merde, des rubis foutus en l'air quoi. C'est pas grave. Valait mieux faire ça. Ah visiblement j'ai pas le choix, je crois que je dois réussir un puzzle. Oh non, putain, non, pas un casse-tête comme ça, c'est horrible. Ah non, mais me dis pas que je dois refaire ça. Oh. Waouh, ça va être chiant.
Je suis très mauvais à ces trucs-là. Dites, patron, souhaitez-vous vous adonner à un passe-temps d'aristocrate? Ouais, si tu veux, je vous explique les règles du jeu. Non, inutile, je sais faire. Alors allez-y, prenez tout votre temps. Eh ben merci, parce que du temps, je vais en avoir là. Besoin du temps. Oh là là. Bon les amis, épisode 152, et je me serais pas arrêté à ça, j'aurais pas fini. Oh là là. En fait, le but, je pense que vous avez compris, hein, là, je vais pas vous faire un dessin, c'est qu'il faut que je refais la tête de l'enfant, mais ça va être trop dur. Ah non, mais sérieusement, tu vas me dire que je dois faire ça. Waouh, waouh. Waouh, la mort. D'abord. Oh là là, c'est trop dur, sérieux. Ouais, j'arrête. Pardon de nous avoir fait perdre votre temps avec un jeu aussi ennuyeux. C'est ma faute, pardonnez-moi. Ah ! Non, non. Excusez-moi, Nouzara. Importuné. Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Tu vas pas me dire que je dois résoudre ça, quoi. Attends, avant, j'ai le droit à la bouteille ? J'ai le droit à la bouteille. Donc, je pense avoir compris. Je dois gaspiller une fée. C'est pas grave, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, qu'est-ce que c'est classe? Alors, voyons voir. Alors, si je mets de l'eau, est-ce que ça a marché? Au départ, je pensais les flèches de glace, les amis. Hein. Normalement, je comptais pas me faire chier plus que ça. Mais là, visiblement... Alors, voyons voir. Je dois pas me rater. Alors, est-ce que ça va marcher? J'espère. T'es sérieux, il marche pas. Comment faire? J'ai quoi comme objet? Non, rien d'autre. Il va falloir que je réussisse ce truc. Cette merde. T'es sérieux? Ah non, mais sérieux quoi, je vais devoir faire ça, mais c'est horrible. Non, mais ce jeu là, c'est juste le jeu le plus horrible du monde. Moi, je déteste ce jeu là. Moi, j'aime pas du tout. Ah, ma foi, il faut faire. D'abord, j'aimerais bien mettre le corps là, à sa place. Et maintenant j'aime bien, il m'appelle patron quoi. Patron quoi, fais mieux. Il me dit, hé patron, est-ce que je peux vous aider? En marque de respect là, t'as pas mieux, moi je trouve. Merde. Ah. Voilà. Ensuite, ça, je voudrais le foutre là, ouais. J'ai aussi un modèle, hein, si au cas où je ne sais pas, mais je sais à quoi il ressemble à peu près. Hein. Je vois à peu près à quoi il ressemble. Oh là là, mais c'est horrible. Mais je comprends pas là le truc avec le feu là, le feu de la cheminée. Je suis sûr que le puzzle, si j'en réussis un, à mon avis, ça doit faire ça, mais pour le réussir celui-là, faut y aller. Hein.
faut y aller, gérer. En fait, le truc, faut être bon à ces jeux-là, mais moi, je suis pas bon, moi, je suis nul. J'ai pas joué, moi, à ces jeux-là. Moi, je joue à Zelda, je joue pas à un jeu comme ça, moi. Je connais pas, moi, ce jeu-là. J'ai peut-être une idée. Ouais, je sais, c'est pas spécialement génial à regarder, les amis, mais voilà quoi. Ça commence à ressembler, mais malheureusement, c'est pas encore bon. Putain, en plus je connais personne qui est fort jeu. Ah quoique si, peut-être. Peut-être si, peut-être quelqu'un. Ah non, mais sérieusement, qui peut aimer ce jeu-là, quoi? Moi, j'aime pas. C'est chiant. Casse-couille. C'est pas un jeu, ça. C'est une torture. Ah, j'ai compris, en fait, ça. Ah, ça, c'est au-dessus, en fait. Je m'embête à rien. C'est ce morceau-là. Le morceau-là, il est ici. Voilà. Elle est pas mal, là. Je suis sûr qu'il a mis le niveau débutant et je sais même pas y arriver. Je sais même pas le faire. Alors. Ah, si j'y arrive, je suis trop content de moi, là. Je suis fier. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire c'est hyper simple. Ou peut-être que vous m'encouragez, c'est hyper dur. Ok, j'ai le bas. J'ai le bas. En fait, j'ai l'impression que je suis bon là, en fait, ce que je suis en train de faire. Je sais pas comment je fais, mais là, j'ai l'impression que je suis pas mal. Si je fais ça. Ça. Je suis pas mal là, je l'ai peut-être réussi, presque à deux doigts là. Par contre, pour ça, comment faire? Ah, maintenant je suis persuadé que ça se place au-dessus. Hein. Là. Les deux là, ça doit se passer au milieu. Hop. Celui-là, je vais essayer de le caser. Voilà.
Putain, dommage. Nardim, dommage. Deux doigts. Ouais, deux doigts. Ah non, quoique, non, je suis... Ah, il y a cette pièce-là. Celle-là, elle va pas là, elle va de l'autre côté, en fait. J'ai l'impression. C'est même pas, j'ai l'impression, je suis même sûr qu'elle va de l'autre côté. Donc, hop, on va la placer de l'autre côté. Hop. Je suis en train juste de détruire mon œuvre là. Mais de toute façon j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je dois faire comme ça. Donc... Putain, la fin est trop dure. Maintenant je vais essayer de placer. Je crois qu'il faut que je procède par pièce, hein, j'ai l'impression. Ah, je craque. Je suis revenu au même point. Génial. Putain, trop dur. Truc de fou. Putain, dis rien. C'est aussi dur qu'un exo de maths. Là au-dessus, comment je peux faire? Bon, les amis, petite ellipse, le temps que j'arrive. Ouais, tout le monde. Bon, bah, le challenge de la mort est réussi, les amis. Mais je sais pas, ça m'étonnerait que je ferai le reste. Hein. Perso la flemme, mais en fait, cette fois, j'ai trouvé. Vous n'allez pas le croire. En fait, c'était là depuis le début. En fait, c'était là. Il y a un interrupteur ici. Je l'avais même pas vu. Et voilà. Souci réglé. Bien, maintenant, on va aller à ce qui nous intéresse le plus. Ah ouais, je me rappelle de ça. Bon, on est toujours dans notre maison. Hein. Bienvenue au sous-sol. Alors, voyons voir. Ah ouais, c'est un labyrinthe. Bon, en espérant que j'y arrive. Bien, bon, je vais tenter ma chance pour celui-là. Ah, peau. Wow, rubis, cool. Super. Alors, j'ai vu un truc au fond.
J'espère que je suis bon. On va voir. Ah, pas mal. J'ai l'air d'être bon. Alors. Hop. Ça, ça l'ouvre. Et hop. Alors, voyons voir la suite. Ok, ça c'est un checkpoint, j'ai envie de dire. Et le reste, et ça, ça doit être la suite. D'accord. Pareil, un passage. Donc on va regarder. Alors, je vais tenter celui-là. Je me demande s'il y a des rats qui vont me faire dégager, mais ça m'étonnerait. Enfin, s'il y a ça, ça craint, mais bon, tant pis. Alors, voyons voir. Où je vais être emmené. Ah, ça m'a pas l'air d'être bon. Ah, quoique, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être possible que je suis bon, là. Ah, carrément. Salut collègue. Oh merde. Ah. D'accord, ok. C'était un... une mauvaise chose, on a qu'à dire. Bon, c'est pas grave, je l'ai démonté, hein. Allez. Comme ça, on clôture cet épisode, les amis. Je sais pas si on aura déjà fait... Ça aurait été un petit épisode. Enfin, je sais pas si, combien de temps il aura duré. S'il est petit, bon, bah voilà, ce sera un petit épisode. Ah, j'y suis arrivé. J'y croyais plus. Hop. Ah, j'y croyais plus. Super. Alors, un fragment ou une carte? J'espère que ce sera un fragment, je préfère un fragment qu'une carte réellement. Parce que les cartes vont coûter des rubis. Hein. Vous verrez pourquoi. Ouais, fragment de la Triforce, génial, ça m'en fait deux. Bon voilà, je pense que c'est pas mal pour s'arrêter, on aura trouvé un fragment, donc c'est cool. Non, on fait quand même pas mal de trucs, hein. Et le casse-tête m'a épuisé aussi. On a vraiment fait chier pour rien, on a qu'à dire. Mais bon. C'est pas grave, c'était fun quand même de le faire. Alors maintenant, j'aimerais bien te dégager d'ici. Voyons voir ça. Voilà. Allez, allons-nous-en. Voilà, j'aurais quand même trouvé ce fragment, donc c'est plutôt cool. En fait, ce qui m'a éclairé, les amis, c'est ça. Cette empreinte. Je l'avais même pas remarqué, en fait. Il y avait un interrupteur. Bon voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu, cet épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Je sais pas s'il a été court, mais s'il était court, désolé. Et s'il était trop long, désolé aussi. Mais voilà, je vous remercie à regarder. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. La prochaine fois, on continue encore les catanes. Bye bye.